d'un bond pour retirer ces jolis petits chiots aux chenilles de Cadanit. Et vous, il fait des rigoles, vous Vous ne trouverez pas mauvaise, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de venir. Une scène à ciel ouvert, un quartier, un public et un programme différent chaque soir. Mais une seule envie, revisiter et faire revivre les scènes cultes du cinéma et du théâtre. Ce soir, les comédiens des quartiers ont installé leurs accessoires dans la cour de l'école San Piero. Et pour certains, monter sur les planches est une première. Je trouvais cette occasion assez intéressante pour faire du théâtre, rencontrer certaines personnes et travailler des textes que on n'aurait pas forcément fait ailleurs. De Phèdre à Gladiator, après 3 mois de répétition, la troupe présente ce florilège pour toucher le spectateur au plus près de chez lui. L'atelier de théâtre dans les quartiers transporte son aventure collective aux 4 coins de la ville d'Ajaccio pour la 18e fois. Ce qui change, c'est déjà les êtres qui constituent cet événement chaque année. Donc beaucoup de nouveaux chaque année, mais c'est vrai que cette année, un très grand nombre de 45 participants, donc ça, c'était vraiment énorme. Ce qui était particulier cette année aussi, c'est eux qui ont choisi les œuvres en fait, qu'ils avaient envie de travailler. Donc moi, ça m'a aussi amené en tant que metteur en scène vers des œuvres que je n'aurais pas nécessairement choisies de par mes goûts ou même ma culture, etc. Molière, par exemple, pour un Canadien, ça reste vraiment le bout du monde. Donc j'ai voyagé comme eux. Un voyage auquel le public est aussi invité chaque soir jusqu'à vendredi.